rapide, alors on n'a pas de micro, c'est un peu artisanal, hein, notre organisation. Donc, l'idée, c'est de faire, à travers ce type de manifestation, des permanences mobiles. On a fait le choix de bouger partout dans le territoire, de s'arrêter partout sur les places des villages, et notamment en commençant par l'un des plus belles bastides de l'Entre-deux-Mers, n'est-ce pas, monsieur le maire ? La bastide de Blasimont. Donc on va faire le tour des communes pour prendre place et redonner toute sa place aux citoyens et au peuple, puisque c'était un de nos slogans il y a 5 ans, et ça le reste, la place au peuple. Donc l'idée, c'est d'aller discuter avec tous ceux qui le souhaitent, et justement en allant nous à la rencontre des citoyens, et pas en se mettant dans une salle de réunion publique, souvent très feutrée, où ne viennent que les amis et ceux qui sont déjà convaincus. Donc on se retrouve ici, on va pouvoir échanger, discuter, boire un verre, et puis pour ceux qui le voudront, on pourra aller tracter, aller discuter, faire du porte-à-porte jusqu'à pas tard, hein. Alors, on va pas embêter les gens trop longtemps, mais jusqu'à à peu près 8h30, 9h. Bon, un mot d'abord pour remercier amicalement et sincèrement le maire de Blasimont et son adjoint, qui ne sont pas exactement de la même tendance politique. L'un nous soutient ouvertement, l'autre non. Mais tous les deux sont amicalement venus nous accueillir avec la cordialité républicaine qui s'impose, et on est très heureux qu'ils soient là et qu'ils vont pouvoir boire un verre avec nous. Alors juste un mot général donc sur notre campagne. On veut faire une campagne qui soit le plus en lien avec les citoyens, une campagne où on se déplace et où on va à la rencontre des gens. Et puis on veut répéter tout au long de cette campagne ce qui est le leitmotiv pour Nathalie et moi, c'est-à-dire d'une part qu'on sera des députés qui sont en lien avec un programme politique. Ça, c'est essentiel pour nous, c'est-à-dire on ne dit pas le jour de la campagne l'avenir en commun, et puis une fois qu'on est à l'Assemblée, vite on va aller voir Macron pour voir si c'est mieux de son côté. Donc nous avons une ligne claire, nous allons défendre des éléments très clairs sur les 10 points de programme les plus essentiels qu'on a rappelés dans le tract. Donc on ne tournera pas, on ne variera pas, on a une manière de voir les choses et elle durera tout le long du mandat. Et la deuxième chose, c'est que comme on n'est pas des professionnels de la politique, puisque même si on en fait depuis longtemps, pour certains d'entre nous ici, on n'est pas tenu par certains engagements divers et variés qui font que parfois les choses font tourner les votes à l'Assemblée. Donc la chose qui est sûre, c'est qu'on ira jusqu'au bout de ce qu'on défend pendant toute la durée du mandat. Et un élément de programme qui, je crois, est très important et qu'on peut dire ici, parce que je m'adresse aussi au président de l'Association des maires ruraux de la Gironde, un élément très important, vient d'être nommé au gouvernement quelqu'un, Gérard Collomb, qui, à n'en pas douter, va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux communes et aux départements. Et puis nombre de ses amis, hein, qui viennent du Parti Socialiste ou de la droite et qui se retrouvent ensemble dans ce gouvernement, ont pour objectif de casser les communes et de casser les départements. Et moi, ce que je peux dire, et je m'adresse à toi, et on le dira à tous les élus qui sont présents sur ce territoire, nous, il est clair qu'on se battra jusqu'au bout pour défendre la commune et le département. Parce qu'on sait que le lien de citoyenneté et de solidarité que créent ces deux collectivités, qui sont des collectivités de proximité, sont absolument centrales pour la vie des citoyens, ici à Blasimont comme partout, dans la 12e circonscription. Donc ça, nous allons le marteler parce que ça va être un des enjeux et une des batailles majeures pour le futur député de la circonscription, que d'arriver à l'emporter sur cette question et à faire reculer le gouvernement. Il y a la question du code du travail qui est centrale et on fera en sorte de faire reculer le gouvernement. Et il y a la question de l'avenir de nos communes et de nos départements qui est absolument centrale et il faudra faire reculer le gouvernement. Voilà pour le petit mot d'accueil et on pourra boire un verre et continuer à échanger. Et peut-être Nathalie, si tu veux dire un mot. Non, je suis plus les motos. Il y a 20 ans de ça, je venais faire du kayak sur le lac, c'est là où j'ai connu mon mari. Donc après, parce que je me permets de place, et si vous vous tournez, ma foi est pas très belle.
souvenir de la guerre, c'est lutter contre l'extrême droite. Et ça, je trouve que c'est important. Et après, il faut s'hydrater parce qu'il fait chaud, donc demandez à vos vieux de boire. Thank you.